Horoscope quotidien du Capricorne aujourd'hui 18 mars 2023. Horoscope quotidien. Tout ce que vous commencerez aujourd'hui est voué à réussir, quel que soit l'obstacle qui se présente à vous. Vous pourrez vous ressourcer et rétablir des relations saines avec les autres d'ici la fin de la journée. Apportez simplement un changement judicieux dans votre nature, n'essayez pas d'être en charge de chaque relation. Donnez l'égalité à tous et vous serez aimé de tous. Les Capricornes ont passé des années à cultiver et à préserver leur réputation de membres droits et responsables du zodiaque. Votre aspect financier va rester modéré aujourd'hui et vous ne ferez face à aucun défi majeur. Alors continuez avec vos économies et vos investissements et gérez-les comme d'habitude dans le cours normal des choses. Ce n'est pas une bonne journée pour vous en ce qui concerne la famille, alors évitez les discussions indésirables et trouvez des moyens de comprendre les préoccupations de chacun. Ne vous occupez de rien de crucial aujourd'hui. Gardez-le pour un autre jour, passez une journée tranquille et calme en famille. Excellente journée dans votre profession et vous allez venir avec brio aujourd'hui. Gardez l'esprit et continuez à faire des merveilles au travail. Aujourd'hui est un jour pour commencer une nouvelle tâche ou un nouveau projet et être plus cordial avec chaque membre de l'équipe. Les jours sains sont de retour, vous allez vous sentir en bonne santé et joyeuse aujourd'hui. Tous les problèmes de santé mineurs vont être résolus et vous allez retrouver votre niveau d'énergie. Dans l'ensemble, c'est un sentiment d'être équipé pour la santé toute la journée. Dans l'ensemble, une bonne journée pour vous et votre conjoint, passez des moments romantiques tranquilles. Trouvez un coin douillet pour vous deux et murmurez quelques mots doux à votre conjoint. Profitez de la journée avec votre conjointe aujourd'hui. Capricorne santé et bien-être. En raison de facteurs de mobilité, vous semblez être en dehors de votre programme de remise en forme habituel. Essayez de réorganiser votre programme de remise en forme avec des experts. Vous pouvez également être sensible aux infections intactes. Prendre des médicaments doux pour la même chose vous soulagera, mais les médicaments forts peuvent provoquer de graves maux d'estomac. Carrière et argent du Capricorne. Les distractions sur le lieu de travail agissent maintenant pour réduire votre productivité. Une possibilité de romance au bureau vous éloigne en fait du travail. Cependant, vous devez ramener votre concentration. Évitez de prendre des mesures qui pourraient s'avérer irritantes ou offensantes pour vos collègues. Vous êtes probablement distrait par un simple engouement. Adoptez une attitude de « si cela arrive, cela arrive » et concentrez-vous sur vos tâches. Lecture quotidienne du tarot. Tâches. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période de bonheur et d'épanouissement dans votre vie. Vous atteindrez l'équilibre émotionnel et aurez confiance en vous. Vous serez obligé de prendre des décisions cruciales, mais elles s'avéreront extrêmement bénéfiques pour vous. Vous ferez les bons choix et aurez l'opportunité de prendre un nouveau départ dans votre vie, ce qui vous remplira d'espoir et de joie. Guidé par votre spontanéité et votre vitalité, vous suivrez votre cœur et éprouverez un sentiment de contentement. Vous surmonterez votre anxiété, vos blessures guériront et l'impossible deviendra possible. Tarot de carrière quotidien. Vous êtes épuisé par vos sacrifices et vos efforts et vous sentez que vous n'en pouvez plus. Vous voulez vous libérer des contraintes qui vous sont imposées. Vous avez traversé une période pendant laquelle vous avez été obligé de vous discipliner et de poursuivre péniblement des objectifs professionnels et financiers que vous n'avez finalement pas réussi à atteindre. Vous croyez avoir fait tout ce que vous pouviez et avez envie d'abandonner. Vous êtes sur le point de tout lasser s'effondrer. Comme le dit la chanson « Je veux me libérer » cependant, vous devez être très prudent et essayer de garder votre impulsivité sous contrôle. Vous êtes à un pas de la réalisation d'un objectif que vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts à poursuivre. Il serait dommage de tout laisser tomber. Carte de tarot d'amour. La carte de tarot d'amour d'aujourd'hui est le soleil. Préparez-vous à briller. Votre attrait physique, votre charme, votre esprit ou d'autres talents suscitent l'admiration. Votre confiance et votre enthousiasme vous ouvrent des portes aujourd'hui. Si vous êtes déjà en couple, votre amoureux vous trouve irrésistible. Si vous êtes célibataire, vous collectez plusieurs nouveaux admirateurs. Vos pouvoirs de perception accrus vous permettent d'éliminer les prétendants potentiels indignes de votre temps. Vous vous sentez électriquement chargé, rempli d'une énergie physique et mentale abondante. Votre esprit devient plus net. Les nuages de doute disparaissent. Cela vous permet d'approcher de nouvelles personnes avec plus de confiance. Si vous vous sentiez auparavant en insécurité dans votre relation, vous vous sentez maintenant assuré de votre pouvoir personnel. Si votre amoureux dépasse la limite, vous lui rappelez calmement que vous méritez le respect.
Vous planifiez des vacances romantiques ensemble dans un endroit où vous pourrez vous prélasser au soleil. Amour et relations quotidiens Capricorne. Ça va être un grand jour pour vous aujourd'hui. Vous aurez peut-être l'occasion de parler de votre cœur aujourd'hui. Mais attention à ne rien dire que vous regretterez plus tard. Gardez votre discours bref et précis, vous aurez beaucoup plus de chances de vous adresser ouvertement à votre partenaire. Mettez en évidence uniquement les problèmes brûlants. Aujourd'hui est un jour de réalisation des promesses. Ça fait un moment que tu n'es pas ensemble. Bien que vous vous soyez habitués les uns aux autres et que vous puissiez bien vous prédire, il y a certaines promesses que vous vous êtes faites au départ qui doivent être tenues. Vous et votre partenaire êtes amoureux l'un de l'autre. Vous êtes tous les deux ouverts à l'ajustement et avez fait un travail louable sur ce front. Vous avez eu des hauts et des bas et avez appris à vous faire confiance. Mais il y a certaines promesses et objectifs que vous vous êtes faits les uns aux autres qui doivent être revus et atteints. Après tout, c'est votre relation et la façon dont vous souhaitez la gérer. Par conséquent, prenez un jour de congé, explorez vos options et voyez combien de ces cibles vous pouvez cocher sur votre liste. Votre relation est-elle le résultat d'une compréhension entre vous deux? Par conséquent, essayez de n'impliquer personne d'autre aujourd'hui dans vos plans. La proximité de l'eau est une bonne idée car l'eau donne de la fraîcheur et en cas de cadeau, les fleurs sont une bonne idée. Aujourd'hui est un jour très chanceux pour offrir des bijoux. Si vous n'êtes pas végétarien, évitez de manger tout type d'oiseaux aujourd'hui car les oiseaux n'ont pas beaucoup de chance aujourd'hui. Dans le cas d'autres aliments, évitez les fruits asymétriques car ils représentent une disharmonie. Passez un peu de temps en prière, de préférence au début de votre temps ensemble. La charité est une bonne activité pour aujourd'hui. Couleur porte-bonheur, marron, sarcelle. Numéro chanceux, 5, 19, 23, 31.